Bonjour à tous aujourd'hui nouvelle vidéo on s'occupe d'un macbook à 1398 et 15 pouces de un modèle de 2013 le problème sur ce macbook il a subi un dégât liquide ça c'est la première phase du problème deuxième problème en tentant de le réparer, il y a eu un court-circuit avec la platine board où il y a le HDMI, le connecteur HDMI, le, 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 le lecteur de carte SD et un port USB. Et troisième phase, il y a eu un deuxième court-circuit qui a mis complètement en panne la carte mère. Plus aucun démarrage. Et sans compter pas mal d'autres dégâts. Je le mets sous le microscope. Là, on voit les pastilles. J'ai un rouge. Un connecteur. Il manque le clapet. Connecteur euh, micro. Voilà, c'est passable encore. Le connecteur haut-parleur. Connecteur clavier, il manque le clapet. Il y a un morceau de cassé. Deuxième connecteur d'eau parleur abîmé. Là, connecteur ventilateur qui manque le clapet. Là, l'insert qui servait à maintenir le ventilateur arraché, ils ont essayé de le coller à la glu. Bon ça c'est de l'oxydation. Celui-là, je crois que c'est le seul où il ne manque pas le clapet. Derrière, on voit bien qu'il y a eu un dégât liquide. Il y a encore les traces, ça, c'est pas le plus grave. Bon. Il y a pas mal de boulot là-dessus quand même sur cette carte mère. Et en espérant que on va pouvoir la récupérer. Donc dans un premier temps, je vais la brancher et je vais voir s'il y a des tensions qui sont présentes. On va dire le minimum. Ouais. Ça c'est le connecteur Maxaf. Celui qui était avec la carte mère, celui d'origine. Ah, il y a eu des beaux arcs électriques. Hein. Bon. On va essayer de sauver la situation. Je suis bien, on va essayer. Moi, ce qui m'intéresse, déjà, dans un premier temps, je vais brancher la console avant. Voilà. On va reprendre. Je branche. Je branche, la LED s'allume. 50, 49. On a un pic à 200. Et ça rechute aussitôt. Maintenant, je vais regarder ce que j'ai comme tension présente. Le ventilateur tourne deux secondes par moment. Et il s'arrête. Donc notre 3 V 3, 3. Présent. Ce qui est déjà une bonne chose. Pourquoi C'est déjà une bonne chose, ça veut dire que le PCH génère normalement encore le 3 V 3, 3 Suse. S'il ne générait pas le 3 V 3, 3 Suse on n'aurait pas notre 3 volts 3, 3 et 5 5 volts. Il veut y aller, il rechute aussitôt. Alors, tension, tension euh, pp bus g3. 12-29, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc ça c'est pour le principal. Maintenant je vais regarder. Au niveau de l'issée de charge. Et quand je vois 12 volts 21. Ce qui m'intéresse, ça va être la communication avec le SMC. Le SDA et le SCL. C'est sous le microscope. Voilà. Il se charge. 625.9 HR TZ donc ici le point c'est le pin 1 donc là on va avoir du 0.4 ce qui n'est pas le cas Donc déjà, si on, pas, si on reste pas 0,4, c'est pas bon. On est à 8 volts sur le premier pin. Là, il y a un problème. Un coup 8 volts un coup 0 4 4 Et il est instable l'issé il est mort là on a là c'est une résistance 20 ohms ah, c'est pas bon notre tension d'entrée elle est pas bonne j'ai 8 volts en entrée j'ai 2 volts sur euh, sur la ligne qui devrait y avoir 19 volts euh, là il n'y a rien qui, qui est bon alors sort euh, et maintenant je vais regarder le signal euh, S SDA et SCL communication avec le SMC. Donc le premier, ça m'intéresse pas. C'est pour le démarrage. Le deuxième, ça m'intéresse pas. Celui-là. J'ai rien. Le suivant. J'ai rien non plus. Il est allumé. Il ouais, n'y a pas de souci. Il est bien allumé. Bon. Il de charge, il euh, n'y a rien qui va. Il n'y a absolument aucune valeur qui est bonne. Tension d'entrée pas bonne j'ai une tension sur le de 8 volts sur le pin 1 ce euh, qui si est pas normal je devrais être à 04 deuxième résistance euh, 20 ohms entrée euh, 19 et je ressors euh, avec un petit peu moins mais à peine pour alimenter le pin 2 et j'ai aucune communication avec le smc par contre, est-ce que j'ai bien mon 3V 3SUSE Normalement, oui. Alors, mon 3V 3SUSE, il devrait être là. pas 3 volts trois suse j'en ai pas bon dans un premier temps on va enlever l'issée de charge on va le dessouder et voir si nos valeurs sont bonnes, du moins l'arrivée de tension des Je vais rebrancher maintenant que j'ai enlevé l'issée de charge la LED s'allume toujours même si l'issue de charge il est retiré bien sûr ça va pas démarrer mais la LED elle s'allume même si l'issue de charge il est enlevé tant que c'est le SMC qui fait allumer la LED Maintenant, je vais regarder si mes valeurs de tension sont revenues. Ou pas. Voilà. Donc, j'ai bien sur le deux ma résistance 20 ohms 19,94 93 19,94 voilà donc ça c'est bon ça c'est revenu le premier je sais pas si je verrai quelque chose puisque l'hysée de charge n'est plus présent voilà euh, par contre hein, 1 2 3 Bon, on a changé de stratégie. Le, le connecteur MaxAF, que je vous ai montré qui avait déjà des amorces de brûlure, il a lâché complètement pendant mes tests. Et en plus, il a commencé à abîmer mon connecteur MaxAF 2 sur mon boîtier. Donc euh, j'ai utilisé un, un chargeur classique de test pour tester cette carte mère, parce que sinon euh, je sens qu'elle va me faire des dégâts sur mon matos. J'ai changé le connecteur, j'en ai mis un autre. Et on va continuer les tests. On va voir ce qu'on peut pour elle. J'espère qu'on va pouvoir la sauver. 1668, ça, ça me convient. Alors maintenant, communication avec le SMC. 1, 2, 3. Alors, ça, ça monte à 3 volts, 3 4 volts 4 et ça ressaut. Le SMC, il a sauté aussi. Alors on continue. Et le deuxième, voilà. Le deuxième, c'est bon. Je devrais avoir la même chose quasiment. sur celui-là. Bon, bah le SMC il est grillé aussi hein. Le SMC il est grillé. Bon, OK. Alors, l'IC de charge, il a sauté. Et le SMC il a sauté aussi. Sur le schéma, ça donnerait 1, 2, 3. Sur le schéma. Voilà. Notre IC de charge, il est là. Et moi, c'est le... SM Bus SMC 5 G3 SDA Horloge Data C2 là 3 volts 41 donc celui-là il se lance, il se coupe, il se lance, il se coupe celui-là il est bon il vient de là et il vient là 3 volts 42. Je cherche. C'est une résistance de 2 kilos. On peut prendre la valeur. Juste pour faire les choses bien, mais pour moi c'est pas le problème. Deuxième résistance. Deuxième résistance, donc je reviens, je reviens sur, le, sur la carte mère, donc c'est celle-là, 2 kilos, 2 kilos, 2 kilos, et bon, on les a. Et je donc, on a un SMC qui est mort. Il a pris une bonne claque. Donc, SMC, IC de charge à remplacer, c'est pareil. Hein. Tout ça, c'est. Et en espérant que ce n'est pas parti dans le PCH, tout ça. Bon, je regarde si j'ai un SMC pour cette carte mère. On voit ça juste après. Bon, il m'en reste un de SMC. Suffisant. Donc, on s'occupe de l'enlever. SMC remplacé maintenant on va brancher et prendre les valeurs au niveau lyssée de char voir ça de l'amélioration ou pas malheureusement alors hop Hop. Alors lycée de charge là tension d'entrée. c'est bon Alors troisième. Voilà notre tension, elle reste fixe. Il y a bien une communication maintenant avec le SMC. Alors que tout à l'heure, ça n'arrêtait pas de sauter. Là, 3.37, 3.31, c'est bon. Là, il n'y a rien, là, il n'y a rien. Normal, glisser. Est absent 5 volts. 5 volts, il est là. 5 volts, il est là. Bon, on a déjà récupéré notre communication entre le SMC, le SDA. SDA, si je dis pas de bêtises, c'est bien une forme que aussi, c'est ça. Alors, ouais, c'est ça, oui. SMC5G3 SDA. Donc maintenant, il est bien là, présent, en fixe. Il cherche à communiquer avec l'iset charge, qui est absent pour le moment. <laughs> dans la logique voilà 3 volts 3, 3 absent c'est obligé hein. Le lycée euh, 3 volts 3 de euh, 51 euh, 980 je crois euh, TPS euh, il fonctionne euh, avec le VIN en entrée à 12 volts 60 donc pas alimenté, pas de conversion 3 volts ,3, 3, 5 volts. Bon, dans un premier temps, on a récupéré la communication. Bon, c'est une chose, on va s'occuper de remplacer maintenant lycée de charge surtout pas remettre l'ancien vu comment ça a claqué histoire de remettre le smc sur le carreau c'est une bonne solution allez c'est parti charge remplacée on, met le, on le branche le secteur max off allumé maintenant on contrôle nos tensions si elles sont redevenues à la normale revenues à la normale donc, tension 16,54 c'est parfait 1655 55 c'est parfait 4V. 4 volts 3 volts 9 ok alors ce qui m'intéresse celui-là 1 volt 96 ok et là je dois avoir 2 volts ok là 0,35 37 là 344 341, je veux dire, ça c'est bon, c'est celui qui, euh, qui ne restait pas en fixe. Deuxième, c'est bon, pareil. 3, 42 là, on commence à baisser 339, 338. L'autre, on va être à 3,26, 3,27. Voilà, ça c'est bon. Là, 70, 64. Voilà, c'est bon. Là, 5 volts. Maintenant, il faut que ça monte à 12,55 environ. 12,56. Ça, ça rechute. 5 volts. Le fonctionnement, il est correct. Alors maintenant, tension. PPU G3, 1260. 1259. C'est parfait. Et à côté, c'est pareil. C'est bon. Bon, j'ai reconnecté la console là, je sais pas pourquoi c'est débranché, c'est pas grave. Donc c'est maintenant je, ce qui m'intéresse c'est de voir si j'ai mon 3 volts 3 sus. Donc 3 volts euh, 3 sus, je vais l'avoir là. Je l'ai. Je l'ai donc... faire un petit euh, récapitulatif de tout ce qui a été fait donc on a remplacé l'issée de charge dans un premier temps qui était euh, complètement euh, détruit les valeurs elles étaient pas bonnes il nous manquait une tension euh, sda de communication avec le SMC il nous manquait elle était intermittente elle apparaissait, elle disparaissait, elle apparaissait, elle apparaissait, elle disparaissait. On a remplacé le SMC. On a récupéré notre notre signal SDA de communication avec lycée de charge. Ça démarre toujours pas. Il y avait euh, un échauffement rapide au niveau de lycée. De la webcam FaceTime. Celui-là, je l'ai enlevé dans un premier temps. Pas plus de démarrage. Je l'ai changé, j'en ai remis un autre. Ça en est un autre. Toujours pareil, on a un, un point d'éclairage rapide juste dans l'angle. On le voit très bien à la caméra thermique. Toujours pareil. J'ai fini par remplacer la puce GAV qui s'appelle. Qui s'appelle son vrai nom. s'appelle ICL 95870 et il faut se méfier parce que des ICL 95870 le marquage euh, il peut être différent il y en a plusieurs il y a du GAV il y a du GAY GAY il y a du euh, GAD donc ça, il faut, faut faire attention. On a remplacé cette puce euh, ICL 95870, ce qui génère le 1V050, ce qui alimente le PCH. On l'a remplacé. Elle avait, elle avait éclaté aussi en interne. Et quand j'en ai remis une neuve, le PCH, ce coup-ci, il a complètement éclaté. Il, le lycée, il a éclaté. Mais en fin de compte, le PCH, il avait déjà pris une claque. Et en remettant un neuf, le PCH il a lâché. Maintenant, quand on le branche, la tension, la consommation a varié de 0,30 à 200 et quelques. Là je suis à 115. 8, je rebranche. Ça reste bloqué à 122. Pourquoi Alors vous êtes déjà dans un premier temps... volts 3 je l'avais déjà il est toujours présent mon 5 volts il est présent maintenant 12 volts 60 ça je l'avais récupéré après le smc le remplacement du smc et 17 charges ça n'a pas changé ça c'est bon 1,35, ça c'est l'alimentation des barrettes mémoire. Là voilà ce que vous voyez. Donc c'est bien présent. Là j'ai le 1 v Il est présent. Au niveau des phases, des bobines d'alimentation, CPU, j'ai rien, mais ça c'est normal. Pourquoi Là, la, la puce euh, GAV qu'on a remplacée. Ici, vous avez le MOSFET. Et ici, vous avez la bobine qui vient alimenter le PCH à côté. Un SR17D. Euh, euh, SR, SR voilà et là j'ai rien j'ai 78,493 et donc tant que j'aurai pas un volt 50 sur le pch c'est à dire un pch qui fonctionne correctement le cpu il fonctionnera pas non plus On sent une, une légère chaleur dans le pch donc la puce avait bien grillé c'est pour ça que ça montait ça chutait ça montait ça chutait là on sent une légère chaleur ça, ça veut partir hein, parce que maintenant les tensions euh, elles, 5 volts euh, toutes les autres tensions elles sont présentes Donc on avance, mais voilà quoi. Dégâts liquides, ça fait beaucoup de dégâts. Mais en plus, si vous créez des courts-circuits, euh, un, c'est déjà beaucoup, mais alors deux, euh, c'est énorme. On va en mettre un neuf. SR17D. Je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. SR17D. J'en ai un neuf. On va le changer. Ouais. C'est pour ça, à l'intérieur, il est défectueux, et c'est pour ça que sur l'essai de la webcam, parce qu'il y a des, il y a deux trois signaux qui viennent sur le PCH pour, le, pour le, le, la webcam. On s'occupe de ça. Bien, bien. Normalement oui, mais... SR17D. Ok, bah, c'est bon. Allez, on s'occupe de ça. C'est parti. PCH remplacé. Ah, il y a du flux, mais de toute façon, cette carte, euh, elle passera au bac ultrasons euh, à la fin. Parce que euh, déjà, enlever les traces d'oxydation, puis en plus enlever tout le flux. Et euh, de toute façon, j'ai plein de connecteurs. Euh, à remplacer euh, des clapés, euh, je sais pas encore le, les clapés manquants si je pourrais les remettre seulement les clapés, on verra. Mais de toute façon, il y a quand même un connecteur clavier à remplacer. Il y a certains connecteurs, donc euh, ça je le ferai hors vidéo. L'essentiel c'est euh, la procédure pour réparer cette carte mère. Déjà, on va prendre la valeur, la procédure, la logique qu'il faut aborder, les premiers tensions, les premiers signaux importants pour que la suite de la séquence de démarrage de fonctionnement de la carte mère puisse se faire jusqu'à obtenir un démarrage au final. Donc euh, moi ce qui m'intéresse c'est la valeur interne du PCH 86. Ouais, un peu plus élevé et ça sonne plus en court circuit donc je vais faire un branchement rapide voir si maintenant on a une séquence de démarrage en espérant que n'ont pas réussi à griller le CPU on va croiser les doigts. On va dire que c'est bon. Euh, je vais le mettre sur la console euh, celle-là. On verra mieux. En dessous les 20 volts si on a une séquence de démarrage. Je branche. Oui, on a une séquence. Le CPU chauffe. Ça fonctionne. Ah, voilà comment il faut euh, bon après euh, ça c'est une version de carte mère on va dire que jusqu'à jusqu'à 2015 ça reste dans la même euh, perspective de logique pour euh, pour diagnostiquer les problèmes de carte mère jusqu'à 2015 après quand on commence avec les contrôleurs CD 3215 c'est-à-dire type C la procédure elle est différente Et dès que vous attaquez sur des Mac équipés de puces T2, c'est encore une autre procédure. Les fonctionnements, parce que les fonctionnements, ils évoluent, ils sont différents, donc forcément la logique de réparation est différente. Et les futures technologies qui arriveront par la suite, ça sera pareil. C'est un métier, il faut tout le temps se mettre à jour au niveau connaissance. Il y a des acquis, mais c'est jamais définitif. C'est un métier où on, on accumule les connaissances, mais on n'aboutit on jamais à un final. Les technologies, elles évoluent tout le temps. Des modes de fonctionnement qui évoluent tout le temps. Et donc ça, il faut se mettre toujours à jour et comprendre pour pouvoir continuer à réparer tous nos matériels électroniques si précieux et si chers. Voilà. Donc euh, là, je vais m'occuper de tous les connecteurs hors, euh, hors vidéo. Euh, je vais la passer ensuite au bac à ultrasons. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre il faut que j'enlève une vis, là, il l'insère en aluminium, il a été cassé, il est pris dans la carte mère. Bon, il y a encore plein de petites bricoles, mais enfin c'est des bricoles. Le principal, la carte mère, elle est réparée. Voilà. Donc je m'occupe de ça hors caméra et on se retrouvera pour le test final. À tout à l'heure. Donc voilà, le MacBook est complètement remonté à 1398 2013. Il avait subi un dégât liquide, plus deux courts-circuits importants suite à euh, tentative de réparation. Donc euh, on a refait les connecteurs, Il manquait les clapés, le connecteur clavier a été remplacé. On a fait une reprogrammation complète de l'EFI comme on a remplacé le PCH, comme à l'habitude, et, euh, et un passage au bac à ultrasons pour nettoyer cette carte mère, qu'elle soit propre. Nickel. Donc là, on va démarrer sur un disque dur externe. Je ne sais pas le mot de passe du client, donc ce n'est pas un souci, à part la barre de chargement qui va être plus longue. Je l'allume. il n'y a plus qu'à attendre le chargement on démarre sur macOS Mojave c'est ce qu'il y a d'installé à l'origine du moins c'est ce qui est c'est ce qui a d'installer sur le SSD du client à l'origine c'est bien plus bas sur une version 2013 j'arrive à trouver du temps pour transférer tous mes, mes macOS de test sur des SSD, je les ai en plus ça irait plus vite Enfin, on y est arrivé. Donc. 2, 3, 4. Allez. Voilà. C'est bien allumé. Charge. On est à 2,6, 2,7, 3 ampères. Ça dépend. Euh, de la charge aussi euh, du, du, PC, du du Mac on est à 67% fonctionne il est bien allumé le rétroéclairage Fonctionne, clavier ça fonctionne, c'est les touches. Le Fast Time, on a remplacé l'IC, ça fonctionne parfaitement. Le Wi-Fi, ça fonctionne parfaitement. Rapide. Ça c'est bon. Micro. Comment je m'appelle Donc ça fonctionne. Euh, micro, casque, tout fonctionne. Donc c'est parfait. Celui-là, il revient de loin. Le client sera bien content de le récupérer. Et parfaitement fonctionnel voilà en espérant que vous avez appris des choses que cette vidéo vous a plu et à la prochaine